Bonjour à tous, c'est Alain. Je suis très, mais extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter, comme d'habitude, mon top 5 des parfums pour femmes pour cet été, non, pour cet automne-hiver, de l'année 2019. Donc ça me fait extrêmement plaisir, c'est un peu notre rendez-vous quotidien. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter vraiment le top, le classement de toutes les fragrances qu'il faut adopter pour justement cet automne-hiver, mi-saison, et donc du coup on commence sans plus tarder maintenant la vidéo. Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. On sort déjà les écharpes et les manteaux parce que on commence un petit peu à avoir froid et on a juste une envie, c'est de se réconforter avec un parfum qui est délicieusement enivrant et qui fait séduire plus d'une personne. Et je vous propose en cinquième position le parfum de Aura de chez Thierry Mugler. Il va se composer en notes de tête de bergamote, de feuilles de rhubarbe. Au cœur, nous allons retrouver de la fleur d'oranger, des notes vertes du tiger liana, de liang ylang, ainsi qu'en notes de fond du bois d'ambre, du bois de santal, des notes boisées, du vanille bourbon, et donc c'est un aromatique boisé. Je trouve que c'est un parfum assez exceptionnel. Je trouve qu'il va vraiment nous emmener dans une autre planète, une autre énergie, une énergie green, boisée, vert. Il est pas... Il fait charismatique, en même temps très chic, élégant et sophistiqué. Vraiment, je trouve qu'il a sa place pour la mi-saison. Et donc, en quatrième position, je vous ai placé le Narciso Rodriguez Narciso Poudré. Et donc, il va se composer en note de tête de jasmin, de rose bulgare. Au cœur, nous allons avoir du musc. En fond, nous allons avoir du bois de cèdre ainsi que du vétiver. Donc, c'est une fragrance qui est boisée florale. Je le trouve tellement singulier, chic, resplendissant et rayonnant. Je trouve que c'est un parfum très marqué, qui est poudré et vraiment qui en vaut le détour. Je vous conseille d'aller le sentir parce qu'il est remarquable. Et puis après ça, je vous ai mis en troisième position, la Belle de chez Jean-Paul Gaultier. Donc il va se composer de poire, de bergamote, de vanille, donc c'est un oriental. Je trouve qu'il est très pétillant, lumineux, mais à la fois très distingué, séductif, sophistiqué, charismatique. Et donc ça c'est génial, hein. Moi ce que j'apprécie énormément, plein de belles définitions, je trouve qu'il définit bien ce parfum. Puis après je vous ai placé en deuxième position un parfum que j'ai vraiment aimé, et que je trouve qu'il se porte très bien en mi-saison, c'est le Gucci Guilty. Donc c'est une fragrance qui va se composer en eau de tête de bergamote, de mandarine, de poivre rose, de cassis, de géranium, de jasmin, de lilas, de pêche. En fond, nous allons avoir de l'ambre, du musc blanc, du patchouli ainsi que de la vanille. C'est un floriental, donc qui est assez très luxuriant, chic, qui fait très madame, qui a une très belle prestance. Moi, j'apprécie beaucoup et qui me rassure, qui me console aussi, parce que je trouve que c'est une fragrance qui est très enivrante et on a envie de se cajoler dedans, vraiment de se bercer comme dans un berceau. Et donc, c'est hyper agréable. Et en première position, le Graal, le Palmarès, le parfum que je vous recommande pour cette mi-saison. C'est un parfum épicé, qui est oriental, et c'est le Chalimar de chez Guerlain. Donc c'est une fragrance qui se compose en note de tête d'agrumes, de bergamote, de cèdre, de citron, de mandarine. Puis nous allons retrouver au cœur du jasmin, du patchouli, de la racine d'iris, de la rose, du vétiver. Et nous allons terminer par un fond de bois de santal, de cuir, d'encens, de muscles, de poponax et de vanille. Ah, ça c'est vraiment un parfum qui a toute une belle histoire. Chalimar, c'est un conte de fées. C'est un parfum tellement féerique qui va vous plonger dans un Disney, qui va vraiment vous plonger dans un univers enchanteur. Moi, il me fait voyager. Voyager en Orient, voyager dans des palais très chauds, suaves. Il va laisser un très beau sillage vraiment enivrant que je vous conseille d'aller sentir. Et que je trouve que c'est tellement chaleureux, réconfortant. C'est le parfum cocooning que je peux vous recommander pour l'automne-hiver. Et moi, ça me fait toujours plaisir de vous avoir présenté tout mon classement, mon top 5. Bien évidemment, il y aura bientôt un top 5 spécialement pour messieurs. Donc ça me fait toujours plaisir de vous présenter ce genre de vidéos. Bien évidemment, comme à chaque fin de vidéo, je vous propose de liker. Je vous propose également de vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. C'était Alain et bien évidemment, je vous souhaite de passer une excellente semaine parfumée. À bientôt.